Donc, projet d'investissement, Société Guylaine Lefebvre. Madame Lefebvre est avec nous. Nous allons pouvoir avoir son premier commentaire à chaud, une première réaction par rapport à ce trophée que vous avez dans les mains. Ah, c'est merveilleux. Ça clôture bien tout le projet que j'ai mené à bout de bras durant l'année dernière. C'est fantastique. Je suis très, très heureuse de ce prix. Ça, on pourrait appeler ça une tape sur l'épaule ou... Ah oui, une tape sur l'épaule, une pichenotte sur le bras. Oui, c'est vraiment fantastique. Ça donne le goût de continuer, ça donne le goût de développer et c'est vraiment apprécié. C'est une nouvelle page, un nouveau début pour l'entreprise, une nouvelle page de l'histoire? Oui, en fait, c'est ça. C'est exactement... on va développer, on va continuer à trouver des professionnels pour offrir des services au secteur de Sainte-Dorothée. Moi, je suis près de Laval-sur-le-Lac et il n'y avait pratiquement rien comme service. Il faut dire que le secteur est en expansion. Tout l'avenue des Bois devrait être développé bientôt. Alors, ce qui fait que le timing est bon pour nous puis on souhaite offrir le plus de services possible aux gens autour de nous dans notre secteur. Et qu'est-ce qui vous rend si heureuse de ce trophée? Bien, écoutez, ce qui me rend heureuse, c'est que finalement, ça clôture, comme je dis, ça clôture bien tout la fin du projet et puis ça met un beau truc sur mon meuble de salon et je vais pouvoir l'admirer, ce beau trophée. Félicitations, Mme Lefebvre. Merci. Par ici. Approchez-vous, attention.